Babo Laurent a divorcé avec Simone Babo. Depuis là, on parle de ça, tu fais comme si tu ne comprends pas. Tu fais comme si, mais tu t'occupes d'autres sujets. Alors que c'est un sujet important. Babo Laurent et Simone Babo ne sont plus ensemble. Mais au lieu de parler de ça, tu sautes sur autre sujet pour éviter d'en parler. Mais Babo Laurent a divorcé de Simone Evie Babo là. Simone Evie Babo a divorcé de Babo Laurent. Est-ce que ça là, ça importe aux Ivoiriens? Non. Ça dans le cadre de la vie privée, non? Oui. Mais mieux, est-ce que M. Ouattara lui-même, un exemple, je prends le cas de M. Ouattara, puisque ceux qui sont en train dans cette propagande-là sont les militants du RHDP. M. Ouattara était marié aux États-Unis à une dame qu'on appelle Barbara Davis. Est-ce qu'ils sont ensemble? Ils ne sont plus ensemble. Il est aujourd'hui avec Fatagbe. Fatagbe également, elle était mariée à quelqu'un. Est-ce qu'ils sont ensemble? Non, ils ne sont plus ensemble. Mais ils se sont mariés dans une nouvelle noce. M. Ouattara et Fatagbe actuellement. Actuellement, là, le problème des Ivoiriens, ce n'est pas l'affaire de Babo Laurent s'est marié ou Babo Laurent a divorcé. Les Ivoiriens ont trop de problèmes entre la vie chère, entre l'électricité qui coûte cher, entre le problème de leurs enfants, entre comment faire en sorte que les paniers de la ménagère soient toujours remplis, en faisant en sorte de pouvoir éduquer les enfants convenablement. Les Ivoiriens ont tellement de problèmes que le divorce de Babo Laurent et Simone Babo, là, vraiment, ce n'est pas leur préoccupation. Les Ivoiriens ont autre défi, ils ont autre préoccupation. Donc, si on a parlé d'un sujet, ça doit être d'un sujet d'ordre politique, d'ordre social. Ce qui importe aux Ivoiriens, la séparation de Babo Laurent avec Simone Babo, là, sincèrement, les Ivoiriens n'ont pas que ça à faire. Ils ont beaucoup de choses à faire. Donc, je tenais à vous répondre comme ça, globalement, et ne pas dire ensemble, pour que chacun soit au même niveau d'information, que c'est un non-événement pour les Ivoiriens, parce que c'est du ressort privé, et les ressorts privés ne nous intéressent pas.